Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire J'agis, je plante de la saison. Je vais prendre une petite minute pour laisser tous ceux qui sont en train d'arriver sur le webinaire voilà, de s'installer et d'être prêts à nous écouter. En attendant, je vais me présenter. Donc, je suis Élodie Lenoir, je suis responsable des campagnes de mobilisation citoyenne au sein de la Fondation pour la nature et l'homme. Et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire avec à mes côtés euh, Rémi Chabert de l'association Arthropologia. Bonjour Rémi. Bonjour tout le monde. Euh, donc on, on vous remercie tous les deux euh, voilà, de votre présence. Euh, J'espère que tout le monde euh, voilà, est prêt et installé. Euh, et je vous propose de démarrer du coup sans attendre. Euh, je vais laisser la parole à Rémi dans quelques minutes. Euh, mais je propose de prendre un petit temps pour vous présenter euh, le dispositif J'agis Je Plante qui nous euh, réunit aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs, vous avez euh, dans l'espace discussion et questions-réponses, euh, voilà, si vous avez envie de faire passer vos messages, de nous poser des questions, de nous faire des retours d'expérience. N'hésitez pas à nous écrire dans ces deux, deux fils de discussion. Il y a l'ENA de la Fondation qui est cachée derrière le chat et qui pourra nous faire passer vos questions à la fin du, à la fin du webinaire. Donc, on va démarrer tout de suite euh, hop, par le dispositif J'agis, je plante. Donc, J'agis, je plante, c'est une campagne que nous avons lancée l'année dernière et qui fait partie d'un de nos programmes. Euh, qui travaillent sur deux volets très complémentaires, qui sont un la lutte contre l'artificialisation des sols, donc comment arrêter de détruire. Et là, nos experts travaillent plus particulièrement auprès des décideurs politiques. Et dans le second volet, euh, nous travaillons euh, sur euh, une question, sur des questions beaucoup plus grand public. Et euh, nous euh, proposons à la fois des solutions et des dispositifs pour que chacun, à son niveau, puisse agir pour préserver la biodiversité. C'est dans ce cadre que nous avons créé la campagne J'agis, je plante, où nous invitons tous, tous les citoyens à replanter massivement pour que nous puissions avoir, compte tenu de l'enjeu et de l'urgence à restaurer les habitats, un impact significatif sur le retour de la biodiversité. Donc, si je résume ce dispositif J'agis, je plante, ce qu'il essaie de faire, c'est de réveiller le planteur qui sommeille en chacun de nous. Euh, et aussi, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est démontrer que tout le monde peut agir euh, et qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour, euh, faire, pour euh, faire sa part en matière de préservation de la biodiversité. Et la dernière chose que nous essayons de faire, c'est de rendre chacun autonome pour, euh, à la fois dans son terrain privé, mais en dehors de son terrain, c'est-à-dire euh, aller reverdir des espaces au sein des communes, euh, dans les cours d'école, au autour des entreprises ou des stades de foot. Et donc, pour rendre chacun euh, autonome, euh, nous avons euh, travaillé sur deux volets, un volet de sensibilisation pour comprendre les bénéfices des plantations, mais aussi sur des outils pour savoir quoi planter, où et comment s'y prendre. On va y revenir avec euh, Rémi, mais... Il faut, pour aider la biodiversité, il ne faut effectivement pas planter n'importe quoi. Donc, sur les outils que nous mettons à votre disposition euh, avec J'agis Je Plante, euh, je vais zoomer sur deux, deux, grosses, euh, deux, gros, deux gros dispositifs. Le kit Jagi Je Plante, euh, ces deux dispositifs, donc à la fois le kit et les tutos vidéo, sont vraiment euh, ouverts à tous et totalement gratuits. Euh, voilà je voulais vous le, vous le préciser avant de commencer. donc ce kit gratuit je plante il est composé de livrets d'informations très pratiques sur les quatre types de plantations que nous vous proposons de planter et que nous avons sélectionnés pour leur bienfait pour la biodiversité. donc il s'agit des haies champêtres des mini forêts des murs végétalisés et des bosquets comestibles. Euh, vous trouverez également des cahiers pratiques des posters pour recruter donc une mine d'infos euh, que vous pouvez euh, récupérer sur notre site j'agijeplante.org. Euh, ces kits sont également euh, déclinés euh, pour trois types euh, de, de personnes. Si vous êtes un, un particulier que vous avez envie de planter avec votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues, vous pouvez télécharger le kit citoyen. Si vous êtes un acteur du monde sportif, que vous avez envie d'embarquer avec vous votre ligue de, de supporters de foot régional ou votre club de tennis, il y a un kit qui est fait pour vous et que vous pouvez télécharger également gratuitement. Enfin, si vous êtes un acteur du monde de l'éducation, un enseignant, un parent d'élève, euh, il y a aussi un kit qui vous est destiné et à l'intérieur duquel vous trouverez notamment un guide pédagogique euh, très facilitateur pour tous les enseignants du cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2 et 6e, qui souhaiteraient initier des projets de végétalisation au sein de leur cours d'école. Donc, on a aussi besoin de tous les parents d'élèves pour euh, diffuser ce guide pédagogique euh, au sein des écoles. À côté de ce kit, vous avez nos tutos vidéo. Euh, ils sont tout à fait complémentaires de ce kit, euh, qui est plutôt un kit digital au papier, en fonction de votre appétence. Mais euh, ce, ces 64 tutos vidéo, euh, ils, ils sont construits autour de tutos de 2 à 5 minutes, donc des formats assez courts. Euh, que vous pouvez suivre à votre rythme de façon totalement libre. Il n'y a pas un chemin pédagogique obligatoire, vous, donc vous ne regardez que ce qui vous intéresse. Ces tutos vidéo, ils ont été construits avec euh, cinq associations expertes, dont Arthropologia, euh, qui est avec nous aujourd'hui. Euh, et donc, on vous propose des pardon, des, des thèmes qui, qui sont vraiment très très larges qui vont de euh, quel est l'intérêt des haies pour l'environnement à euh, quelles essences je dois planter en fonction de, de mon terrain à comment je fais une mise en jauge ou un pralin jusqu'à des questions beaucoup plus euh, organisationnelles sur comment je vais convaincre ma collectivité par exemple d'accueillir mon chantier ou comment je vais euh, quel type de convention je vais devoir contracter avec la personne ou la structure qui accueille mon chantier, comment mobiliser, comment trouver des financements. Donc voilà, pléthore de sujets euh, que vous pouvez consommer euh, voilà, dans les transports, dans la salle d'attente euh, du médecin, où vous voulez. Euh, ils sont hyper dynamiques et ludiques, animés par un comédien euh, qui s'appelle Nicolas Mérieux. Euh, et euh, ils vont vous permettre, je pense, de devenir, comme je le disais tout à l'heure, tout à fait autonome pour créer votre propre chantier de plantation. Donc, une fois que vous avez euh, téléchargé notre kit, regardé nos tutos, vous êtes fin prêt à relever le défi J'agis, je plante avec nous. Et donc, euh, pour y participer, je vous propose de suivre ces quelques étapes toutes simples. La première, on vient d'en parler. Voilà, on regarde les tutos, on regarde le kit et on acquiert, on s'informe, on se forme. La deuxième étape, c'est de choisir parmi les quatre types de plantations dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les haies, les bosquets, les murs végétaux et les mini-forêts. Euh, pas de panique, une, par exemple, un mur végétal, ça peut être euh, cinq plans le long d'une façade. On n'imagine pas non plus euh, voilà, des, 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 des plantations qui soient immenses. Donc euh, chacun à son niveau, chacun comme il peut faire. Et il euh, n'y a pas de petits pas, il euh, n'y a que des, des, des bonnes volontés. Donc euh, voilà. Euh, sur le, la troisième étape, bah, mobiliser autour de vous des amis, de la famille, grand-père, les enfants, euh, votre club de sport, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes très bien installés, les sportifs, vous avez euh, à proximité euh, voilà, des licenciés, il faut les mobiliser, on peut faire quelque chose euh, voilà, au, derrière les tribunes euh, du stade euh, ou ailleurs. Ensuite, la quatrième étape, ce sera de planter, bien sûr, dès le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, où tout bois prend racine, mais aussi euh, durant tout l'hiver, euh, jusqu'en mars et de partager, on vous invite vraiment à partager les photos de vos chantiers euh, sur les réseaux sociaux euh, parce qu'on va valoriser tout ce que vous faites. C'est très important qu'on voit qu'il y a une mobilisation importante et nous, nous nous engageons vraiment à, à diffuser tout ce que vous partagerez avec le hashtag J'agis, je plante et en taguant le nom de votre, notre fondation @fondationnh. Enfin, dernière étape. Euh, nous vous enverrons, vous avez parti à ce webinaire, donc euh, on, on se permettra en fin d'hiver de vous envoyer euh, un petit bilan à remplir en ligne pour nous dire ce que vous avez planté, ce que vous n'avez pas planté, euh, combien vous étiez, combien de plants, etc. C'est toujours dans cette, euh, dans cette perspective de donner de l'ampleur, de donner de l'écho à ce que nous faisons tous ensemble euh, qu'on a besoin de vos retours. Et enfin, euh, dernière chose qui mériterait peut-être presque même un numéro 6. C'est bien sûr prendre soin de votre plantation sur le long terme. Voilà, euh, c'est un engagement aussi euh, de plusieurs années que de, créer une, que de créer une plantation. Donc, dernier point que je voulais aborder avec vous avant de donner la parole à Rémi, c'est que peut-être que cette année, vous n'aurez pas l'occasion de créer votre chantier, que c'est un peu trop tôt, que ça va vous prendre un peu de temps. Eh ben, on a une solution si vous avez quand même envie de mettre votre plante à l'édifice. c'est notre plateforme, plateforme du bénévolat nature. pardon. Donc, euh, c'est jagipourlannature.org. Euh, c'est une structure euh, qui existe depuis euh, plus, plus d'une dizaine d'années et qui permet de mettre en relation des citoyens comme vous et moi qui ont envie d'agir pour préserver la biodiversité et qui cherchent euh, voilà des structures euh, à proximité de leur lieu d'habitation qui pourraient les accueillir le temps d'un week-end d'une heure ou d'une demi-journée pour faire une activité de préservation de la biodiversité. Donc, il y a des activités, il y aura cette, cet hiver forcément des activités de plantation, mais il n'y a pas que durant l'hiver que vous pouvez faire euh, des bonnes actions pour la biodiversité et vous trouverez des annonces tout au long de l'année pour agir de différentes manières, hein, que ce soit euh, des, des activités d'observation d'espèces avec les sciences participatives, de restauration euh, euh, de zones euh, zone humides, de création de crapauducs ou de mars, euh, des actions de ramassage. Voilà, il y a vraiment énormément d'activités intéressantes à retrouver euh, sur cette plateforme. C'est géolocalisé, il suffit de dire où vous êtes ou de chercher selon la façon d'agir qui vous intéresse. Donc voilà, j'ai fini mon petit point euh, d'introduction. Je vais laisser la parole à Rémi euh, qui va euh, nous apprendre à observer la biodiversité, Rémi, et à mettre en place les bonnes actions euh, pour l'accueillir euh, dans nos jardins, sur nos terrasses ou même dans le parc communal d'à côté, euh, si c'est là qu'on va planter. Euh, donc je vais arrêter le partage de mon écran. Rémi, je vais te laisser la main. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos questions-réponses dans le chat ou dans le QR. Et euh, je vais vous demander de rester bien attentif parce que Rémi va vous faire travailler un petit peu, il va vous faire répondre à des questions. Donc, merci beaucoup de votre attention. Rémi, je te laisse la parole. Et c'est parti, merci beaucoup. Euh, Rémi Chabert, chargé de mission pollinisation euh, et mobilisation pour l'association Arthropologia, qui s'intéresse euh, aux insectes, à la biodiversité, et euh, on travaille beaucoup sur des, des, l'activation de leviers euh, de végétalisation, végétaliser partout, avec des plantes sauvages et locales, on en reparlera, et euh, c'est ce qui nous a motivés à, à rejoindre le programme J'agis je plante. On a bien sûr des, des, des bénévoles et plusieurs missions à, à, au sein de l'association, dont de l'expertise de, de, de recherche d'insectes. Mais on va surtout parler ensemble aujourd'hui de l'outil, la, l'application Pollinisation que je vais, je vais vous faire découvrir. Et avant ça, on va parler, on va parler de, de quelques petites choses. Mais pour commencer, avant de commencer dans, 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 dans le sérieux, j'aimerais vous faire bosser un petit peu et vous demander de trouver 10 noms d'animaux. Et vous pouvez les partager avec nous avec le, le petit bouton discuter. Vous pouvez nous écrire des, des noms d'animaux qui vous viennent en tête. On va faire ça 30 secondes maximum. Vraiment, c'est pour avoir une idée de, de, de ce que sont pour vous les animaux. Vous pouvez les écrire tous d'un coup ou les, ou les uns après les autres. Je de, ah, je, bien sûr, je ne pourrais pas tout lire, mais vous allez voir l'exercice intéressant, vous pourrez le refaire. Avec des amis, la famille, le voisinage, les collègues. Et Ils sont hyper inspirés. ouais. ouais. <laughs> oh, super. Vous lisez en même temps, bien sûr. Allez, je vous laisse encore à 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Merci. Bon, J'avais annoncé 30 secondes, c'était probablement plus court. Alors, l'exercice est pour moi difficile. Quand vous le faites avec du public, vous pouvez le faire en animation d'ailleurs. Hein. Vous pouvez vous amuser à compter le nombre d'insectes qui ont été dits ou ici écrits. Et euh, c'est peut-être un peu biaisé aujourd'hui, puisque vous connaissez le sujet d'intérêt de, de, particulier de, de, de notre association. Eh bien, quand on demande à des personnes de nommer spontanément des animaux, ce qui ressort le plus souvent, c'est des animaux proches de nous, des mammifères, et euh, parfois dans plusieurs catégories, soit ceux de la domestique de la maison, le chien, le chat, ça revient souvent, soit euh, du domaine de la ferme les vaches, les, les cochons. Soit euh, du domaine un peu plus euh, exotique, euh, c'est le roi lion. Hein. C'est les lions, les, les zèbres, l'hippopotame, le, le pourquoi pas. De temps en temps, il y a des oiseaux qui viennent se glisser dans, dans les animaux euh, cités. De temps en temps, il y a des... Euh, c'est plus rare encore euh, des amphibiens, des reptiles. Et c'est encore plus rare qu'il y, qu y ait des insectes euh, qui, qui sortent. Et alors, pourquoi euh, je vous amène sur cette question-là, euh, les animaux et la place des insectes dans les animaux C'est parce qu'en fait, quand on regarde de près... La diversité de notre planète en termes de nombre d'espèces, eh les insectes, ça représente une part immense qu'on n'imagine même pas. C'est 80% des espèces animales connues à l'heure actuelle qui sont des insectes. Bon, si on voulait faire réaliste à la question des animaux, il faudrait dire huit euh, noms d'insectes. Mais bon, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de se rendre compte de la, de la représentation qu'on a du monde animal, et les insectes sont méconnus euh, sont sont et sous sous-représentés. Et sous on n'imagine pas qu'il y ait une telle diversité. Mais même si on regarde. Euh, par rapport au reste du vivant, mais là vraiment tout, tout, tout le vivant. Vous voyez tout en bas la grande, 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 grande barre. Hein. Plus la barre est allongée, plus le nombre d'espèces est élevé au niveau de la, de la diversité mondiale. Et les insectes, avec plus d'un million d'espèces d'insectes connues dans le monde, bah, c'est plus de la moitié des espèces vivantes connues. Vous prenez les animaux, les plantes, les bactéries, les virus, on ne sait pas trop. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non dans, dans le vivant, les champignons, bah, les insectes, c'est plus de la moitié des espèces incroyable et euh, c'est ce qui fait qu'il y a tellement de choses à raconter sur les insectes, ce qui fait aussi qu'ils sont essentiels et euh, qu'on s'y intéresse euh, tout particulièrement. Avant de parler de l'outil pollinisation, un très bref rappel de la pollinisation avec des angles euh, un peu intéressants, peut-être que vous n'aurez pas entendu. Là, une représentation d'un insecte en train de polliniser. J'aime beaucoup cette représentation-là. Euh, la pollinisation, le pollen déposé euh, d'une de, de, fleur à l'autre au sein de la même plante ou pas, ça peut être par l'eau, ça peut être par le vent, ça peut être par les insectes. Et ce que j'aime beaucoup sur cette euh, illustration-là, c'est qu'on voit un insecte qui est rentré dans la fleur, qui est en train de se nourrir de nectar, c'est ce qu'il vient chercher, une récompense du sucre pour battre des ailes, de l'énergie, et qui au passage dépose euh, le, le pollen d'une étamine de fleur sur le pistil euh, d'une autre fleur ici. Voilà. Souvent, on voit juste un insecte en vol, on sait pas, ça tombe un peu par magie, là c'est un petit peu plus précis. Et alors, les insectes... Mais ils ont une importance capitale dans la pollinisation. Ça ne veut pas dire que la pollinisation par le vent et par l'eau, c'est nul. Il y en a, mais il y en a en, en proportion, c'est beaucoup plus faible. Si on regarde ce qu'on mange, vous avez peut-être déjà entendu des, des chiffres comme ça, ou même vu les, les illustrations que je vous présente après, par rapport aux plantes cultivées, donc qui nous nourrissent, nous, êtres humains, ben, les insectes pollinisateurs contribuent à 75% de, de, de la pollinisation des plantes cultivées. Le reste, c'est essentiellement en levant. Vous avez déjà vu des images comme ça, avec pollinisateurs, sans pollinisateurs, ça c'est pour un petit déjeuner. C'est encore pire si on regarde le, le, le repas du midi et le dîner, et que le, le goûter, c'est un peu pareil. Mais alors, ça c'est un point de vue humain. On peut, on, on peut s'alarmer, c'est déjà alarmant hein, de se dire, voilà, oh on n'aurait plus grand chose à manger, quel qu qu avenir pour nous être humains. Mais il ne faut pas oublier les plantes sauvages euh, qui ne contribuent pas directement à notre alimentation, et les insectes euh, contribuent à 90%. Pour 90% de la pollinisation des plantes à fleurs sauvages, qui sont indispensables à la base des écosystèmes et qui, qui nourrissent, euh, comme ça, en chaîne, euh, tout un tas d'autres espèces, des espèces animales, ou éventuellement des, des bactéries, des champignons. Donc vraiment, les insectes, fondamentaux dans leur rôle de taxi transporteur de pollen pour les êtres humains, bien sûr, mais plus globalement pour le reste de la vie. On ne peut évidemment pas s'en passer. Les pollinisateurs, je ne sais pas si vous les connaissez. Mais les pollinisateurs, on peut déjà élargir, humains un petit peu. Il y a à l'échelle mondiale des oiseaux, des chauves-souris, des mammifères, des reptiles, des invertébrés sous l'eau, c'est incroyable, et même des vers de terre, qui contribuent à la pollinisation. Euh, nous, en France métropolitaine, c'est quand même les insectes qui sont euh, majoritaires, si ce n'est pas 100%, euh, de, de, de responsables de la pollinisation. On va voir un peu les, après les, les, les principaux groupes de pollinisateurs. Les insectes, très, très, très bref, rapide, euh, rapide, rapide, <laughs> et bref, rappel. De ce que sont les insectes, corps en trois parties, tête, thorax, abdomen, six pattes, des ailes ou pas, ça, ça dépend. En général, il y a des ailes quand même. Et alors, ces insectes pollinisateurs, il y en a une grande diversité. Je vous ai pas dit en France le nombre d'espèces, c'est 40 000, plus de 40 000 espèces d'insectes en France, et euh, on ne sait pas les chiffres exacts, mais euh, c'est 15-20 000 on considère espèces, euh, près de la moitié, hein, jusqu'à la moitié, on pourrait dire, qui peuvent contribuer à la pollinisation à différents niveaux. Mais voilà juste un petit panel. Donc quand on parle d'insectes pollinisateurs, en fait ça représente un nombre d'espèces, une diversité incroyable, qu'on n'aura pas le temps de, de présenter aujourd'hui. On va, on va faire un petit aperçu. Il y a d'abord les lépidoptères, hein, les, les ailes en écailles, c'est les papillons. Papillons de nuit. Ah eh bah ben oui, parce qu'on nous on, on y en... On... On n'imagine pas, nous, on dort la nuit. Mais la plupart des animaux ont une activité nocturne, et c'est particulièrement vrai chez les papillons, puisque les, les hétérocères, les papillons dits de nuit, ça représente plusieurs milliers d'espèces euh, au sein du groupe des papillons, alors que les papillons dits de jour, euh, quelques centaines, pas grand-chose. Voici un petit aperçu, quelques espèces de papillons dits de nuit, même s'il y en a qui sont actifs le jour, c'est le bazar, c'est pas grave. Les sphinx, incroyable les sphinx avec leur longue trempe qui permet d'aller chercher le nectar dans des fleurs plus profondes. Et ils ne sont pas toujours euh, tristounes et marrons, hein, les papillons de nuit, il y en a des très colorés et incroyables à voir. Voilà les papillons dits de jour, là aussi un petit aperçu essentiel. Hein. Ouais, papillons, c'est bien de leur donner à manger d'ailleurs sur les fleurs, il faut leur donner à manger aussi au stade chenille. On y reviendra aussi à tout à l'heure dans le cycle de vie, les besoins des insectes à tout, différents stades de vie. Les coléoptères, euh, les insectes carapaces, ça on, y, on les oublie un peu, euh, enfin on les oublie. Ils ressortent quand même souvent, mais ce n'est pas ceux auxquels on pense spontanément. Alors eux, c'est plutôt des, des tanks qui ont un vol lourd ils ont besoin de grosses fleurs euh, pour atterrir et pouvoir se nourrir au stade adulte. Avec les cétoines, euh, que vous connaissez peut-être pour leur rôle dans, le, dans la décomposition de la matière des longicornes certains se nourrissent aussi dans le bois. Et voilà encore un, un exemple. Je ne m'attarde pas sur les espèces. Je vous ferai quelques portraits à tout à l'heure d'espèces, mais là, je ne m'attarde pas juste pour vous donner un aperçu visuel d'une diversité de formes, de tailles, de couleurs. Il y en a de, de toutes sortes. Les diptères, ça c'est intéressant. Mouches, moustiques et compagnie, qui sont souvent peu appréciés par les êtres humains. Euh, on n'en connaît qu'un petit bout hein, de, de, de ces animaux-là. Il, il y a près de 9000 espèces en France, je vous ai pas dit pour les précédentes, vous, vous avez peut-être pu le, le lire, une grande diversité quand même de diptères. De Donc c'est les deux ailes, les diptères. Avec les mouches-soldats, incroyable, ils ont l'air complètement aplati comme ça, avec des reflets parfois métalliques et des larves qui peuvent vivre dans l'eau ou dans le compost. Les stratiomidés, c'est les mouches-soldats. Les cirfs qui sont peut-être les plus connus et euh, euh, les plus appréciés des... Euh, des, des des diptères pollinisateurs avec leur, leur mimétisme qui, qui se font passer pour des guêpes ou des abeilles pour éviter de se faire manger. C'est du bluff total, bien sûr. Et puis voilà, quand même, euh, rendons hommage à toutes ces mouches qui nous embêtent, qui peuvent parfois nous, nous dégoûter quand on, en, quand on imagine leur cycle de vie sur des cadavres ou des excréments. Et pourtant, essentiels dans leur rôle de recyclage, de décomposition de la matière. Et en plus, elles contribuent à la pollinisation sur les fleurs. Donc vraiment, il faut revoir l'image qu'on a de ces animaux-là. Et on termine avec le, le quatrième groupe, dans les principaux en tout cas, groupes de pollinisateurs, les hyménoptères, hein, les ailes qui, qui se rejoignent en vol pour, euh, au moment du décollage. Et ben, y a, y en a des, vous connaissez les abeilles qui font partie des guêpes, mais ce que vous connaissez, les tentraides. Elles ont des larves qui ressemblent à des chenilles et elles se nourrissent, bah, d'un certaines phytophages de plantes. Et vous voyez ici sur des images recouvertes de pollen, les tentraides qu'on appelle aussi assis, participent à la pollinisation. Ce sont des cousines, donc, des, des guêpes et des abeilles. Voilà des guêpes euh, solitaires, des eumènes, des, des guêpes potières. Elles font des, des petits nids en poterie, elles vont collecter de la boue. Ça aussi, c'est très surprenant. Pollinisatrices également. Des sphégiens. Tout ça, c'est pour vous dire, hyménoptères, on pense souvent guêpes, abeilles. Bah, il y a tout un tas euh, d'autres groupes chez les hyménos que, que j'avais envie de vous partager. Les sphégiens qui vont paralyser des proies et les mettre dans des nids avant de pondre dessus. Et les abeilles, les abeilles. Abeilles sauvages, près de 1000 espèces d'abeilles différentes en France, dont une seule qui fait du miel, tout le monde connaît, ou presque l'abeille de ruche, euh, en tout cas pour les produits de la ruche, qui sont indispensables, euh, indispensables pour tout cas, nous, euh, êtres humains, ce serait dommage de s'en passer. Et bien aussi, il y a toute une diversité d'abeilles sauvages avec des, des façons de vivre très variées. Jusqu'à même euh, des abeilles coucou, les nomadas, par exemple, c'est un exemple d'abeilles coucou euh, qui vont dans le nid des autres. Je voulais surtout vous montrer par ces images que il euh, y a des abeilles qui ressemblent pas tellement à des abeilles. Hein. Vous voyez, comme ce sont des abeilles coucou, elles ne collectent pas de ressources euh, de pollen. Et donc, comme elles vont pondre chez les autres, pas besoin de s'embêter à collecter le pollen, pas besoin d'avoir autant de poils que les autres. Donc on pourrait dire ah, c'est des guêpes, c'est autre... je sais pas, c'est autre chose, ça aussi. Euh, ce sont des abeilles. Je voulais ouvrir vos yeux si vous ne connaissiez pas encore le monde des, des abeilles sur la diversité possible. Et il y en a qui sont plus petites que des fourmis pour vous donner aussi un, un, un ordre, une idée des tailles. Possible. En tout cas, si vous ne le saviez pas, des insectes, il y en a plein. On en croise toujours sans le savoir. J'espère qu'après avoir euh, partagé avec vous toutes ces choses, euh, vous pourrez regarder avec un œil nouveau tous ces insectes. Et puis il y a d'autres insectes qui contribuent à la pollinisation. On ne va pas tous les déta détailler, mais par exemple des chrysopes, des punaises, des perce-oreilles, voilà, ça existe. Parfois même des araignées en dehors des insectes. Euh, bah, tout ce qui fréquente une fleur en fait, peut transporter euh, involontairement c'est toujours involontaire du pollen en tout cas dans, pour, pour, le, pour le fonctionnement de la plante. Pas... Les insectes ne font pas ça exprès pour aider les plantes, hein. ils, ils profitent ou ils transportent par accident. Ce qui fait qu'on parle de pollinisateurs, de euh, groupes principaux de pollinisateurs, mais ce sont des insectes qui, par leur mode de vie, fréquentent beaucoup plus les fleurs, notamment pour se nourrir au, au stade adulte, hein, les quatre qu'on a vus avant. Les, euh, dans l'ordre, leur... les, les papillons, les coléoptères, les diptères et puis les immunoptères se nourrissent adultes de nectar dans les fleurs. Forcément, ils vont beaucoup plus visiter les fleurs que d'autres groupes. Pour lesquels c'est un peu plus accidentel ou ponctuel. Alors, il faut agir hein, pour ces insectes pollinisateurs, hein, effondrement de la biodiversité, vous connaissez, on, ça a même été évoqué en introduction. Je voulais juste, avant de passer à des, des, des vraies choses à faire comme les, comme les plantations, eh bien, quelques fausses euh, bonnes idées, qui, les fausses routes vraiment à éviter quand on veut agir pour aider les insectes pollinisateurs ou quand on veut végétaliser, eh c'est des fleurs à tout prix. Des fleurs, il en faut, c'est sûr, mais il ne faut pas n'importe quelle fleur. Parce que des fleurs d'ornement, des fleurs introduites, des espèces introduites, horticoles cultivées ou d'ornement ou exotiques, eh bien elles ne correspondent pas aux besoins de nos insectes pollinisateurs. Ils n'ont pas coévolué, nos espèces n'ont pas coévolué depuis des centaines et des centaines de milliers d'années avec, et donc ne sont pas des plantes adaptées. C'est joli, euh, pour, ça répond à des besoins humains, esthétiques, paysagers, parfois alimentaires pour les plantes cultivées, mais ça ne répond pas aux, aux, aux besoins des, des insectes pollinisateurs. Ça peut même faire office de piège, puisque de loin... Ça, ça a une tête de restaurant pour des insectes pollinisateurs. C'est super, il y a à manger. Ils repèrent par la couleur, euh, les grosses taches de couleur. Et puis, arriver sur place, soit c'est inaccessible, soit il y a peu à manger, soit ce n'est pas de, de bonne qualité euh, d'un point de vue nutritif, pollen, nectar. Euh, voilà. S'il n'y a que ce type de resto euh, dans, de, dans les environs, hein, et ben les, les, les insectes pollinisateurs ne trouvent pas à manger. et, euh, et ben, Ils ne peuvent pas s'épanouir, se développer. Et on en a besoin, hein, vous vous rappelez, pour, pour la pollinisation de nos plantes cultivées, de plantes sauvages. Attention au pliège des mélanges tout faits euh, et des appellations de prairies mellifères et prairies apicoles. Mellifère, ça veut dire qu'il permet de faire du miel, donc plante riche en nectar, et, euh, mais c'est un angle plutôt orienté apiculture et donc production euh, de, de miel grâce au nectar collecté par les ouvrières des pays de ruche. Ça peut être du nectar d'une plante qui n'est pas une plante sauvage et locale, et donc qui est pas une plante, euh, qui n'est pas un bon support de biodiversité. Le piège aussi dans ces mélanges de graines, c'est que, euh, attention à la composition. Alors déjà, c'est un nombre d'espèces réduit. C'est beaucoup moins intéressant. C'est plus intéressant de laisser pousser quelque part une prairie avec la banque de graines présente dans le sol. Il n'y a rien à faire, trop facile. Et ça présente une meilleure diversité. Donc c'est souvent réduit en termes de diversité. Et on y trouve souvent, alors moins maintenant, il y a des, il y a des, des, des structures qui font attention au mélange de graines proposées, mais il y a quand même très régulièrement euh, des, des, des plantes qui ne sont pas du coin, qu'on trouve dans les mélanges. Faceli, euh, pavot de Californie, euh, les cosmos. Voilà. Alors, Faceli, pavot de Californie, c'est formidable plante pour les pollinisateurs, mais pour les pollinisateurs de Californie, puisque ce sont des plantes originaires de là-bas. Voilà, donc, en dehors de la Californie, c'est pour faire joli. Sinon, il faut, 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 faut s'en passer, s'orienter sur des plantes vraiment sauvages et locales. Et puis, en plus, explosion de fleurs à la première année, comme sur la photo du paquet, au bout de 2-3 ans, il y en a juste quelques espèces qui se ressemblent. C'est vraiment peu intéressant. C'est bon, explosif, mais, mais ça ne tient pas dans le temps. Les ligneux, à qui nous concerne plus particulièrement avec j'agis de plantes, les arbustes et les arbres, ben, c'est super d'en mettre, notamment dans des haies. Mais attention à choisir des plantes sauvages et locales. C'est les meilleurs supports de biodiversité variés, bien sûr, en espèces. Donc des haies monospécifiques, une seule espèce, d'autant plus si c'est du, du résineux introduit, euh, si près tu y a, ben, Quasiment, quasiment zéro en termes de support de biodiversité. Les palmiers, euh, pas, ça dépend bien sûr de, de, de la région où vous vous trouvez. Hein. En Méditerranée, il y, y a une espèce de mémoire euh, qui, qui est sauvage locale. Le reste, c'est zéro d'un point de vue biodiversité. Les haies de laurier, là aussi, il y, y a une espèce de laurier qu'on peut mettre en fonction des, des régions. Mais bon, tout ça, c'est des exemples de végétal. Euh, c'est du vert. On pourrait se dire c'est nature, c'est biodive, en fait. C'est une fausse route à éviter. Il faut planter, mais, mais les bonnes espèces. Et pour ça, vous êtes bien accompagné avec le programme J'agis, je plante. Les hôtels insectes, c'est aussi une fausse route à éviter. Euh, parce que c'est formidable. Pour continuer à en faire, d'un point de vue observation et pédagogie, c'est des bons observatoires pour quelques espèces d'insectes. En fait, dans les hôtels insectes que nous, on fabrique, être humain, c'est trop simple. C'est trop simpliste pour répondre à la complexité des besoins des, des insectes pollinisateurs. Il y a quelques espèces communes qui peuvent les occuper, euh, mais il faut savoir que c'est des espèces justement communes qui se débrouillent très bien euh, et qui s'accommodent très bien des, des bâtiments humains, déjà des, des installations des êtres humains. Donc elles étaient là avant qu'on mette un hôtel, elles sont là après. C'est juste cette structure-là, euh, ça les rend visibles. C'est tout ce que ça fait. C'est pas des bons supports de biodiversité. C'est pas des bons abris pour passer l'hiver. Ça nourrit personne. Euh, en termes de nidification, de ponte des œufs, il y, y a quasiment d'espèces qui peuvent euh, pondre directement dessus hein, par rapport à des plantes, eh Oui, les papillons par exemple, euh, ou les tentraides comme tout à l'heure. En termes de nidification dans les cavités, c'est une faible part hein. chez les abeilles sauvages. On dit souvent, oh mais si, super pour les abeilles, des observatoires à abeilles. Euh, trois quarts des espèces d'abeilles pondent directement dans le sol, dans les hôtels insectes, elles n'ont rien à y faire. Et puis voilà les quelques espèces qu'on peut y observer, donc c'est intéressant pour l'observation. Eh ben, sont des espèces vraiment pas difficiles, euh, opportunistes. Ici, par exemple, le semicornu. Vous savez peut-être qu'il les, les, y a des abeilles ma -ma maçonnes qui bouchent avec de la terre, les cavités qu'on propose dans les hôtels à insectes. Ben, les osmicornues du printemps, elles sont opportunistes, elles vont nicher dans tout type de matériaux. Ici, on vous les présente en train de nicher dans un, dans un vélo d'appartement qui était stocké à l'extérieur, bien sûr. Mais euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il y a succès de... de, de, de de cycle de vie à l'intérieur, parce que le plastique ou les matériaux en verre, par exemple, ou ce qui est trop trop minéral, c'est pas terrible hein, en termes de, de circulation de l'humidité, donc ça peut échouer à l'intérieur. Mais bon, elles sont vraiment pas difficiles, elles s'accommodent très bien de toutes sortes de matériaux aux abords de bâtiments. Donc si vous mettez un hôtel insecte, vous allez les voir plus facilement et vous n'allez pas les aider. Et alors pire enfin pas pire, c'est pas pire, mais un des les, dans les défauts euh, des hôtels insectes, c'est de se dire euh, c'est bon, j'ai agi pour les insectes. J'ai j'ai fait ma part, mais je crois avoir bien fait. Et par mes connaissances, en fait, il y avait bien d'autres choses à proposer pour répondre aux besoins des, des insectes, dont les insectes pollinisateurs. Et puis alors, quand on concentre normalement, euh, avec plein de cavités, des espèces solitaires, et on favorise les prédations, euh, les pathogènes et euh, les parasites. Donc on ne leur rend pas spécialement service. Autre fausse route à éviter, euh, les ruches pour des objectifs biodiversité. Quand on a un projet apicole et une stratégie... Sur un territoire d'apiculture, super. Il faut faire, faut faire de, pour les produits de la ruche. Il nous faut des ruches et élever euh, l'abeille mellifère, qui, qui est un autre nom de l'abeille domestique ou de l'abeille de ruche. Quand on a un projet biodiversité et qu'on veut aider les insectes pollinisateurs, ce n'est pas des ruches qu'il faut mettre. Parce que quand on met des ruches, on introduit une espèce domestique. C'est très artificiel tout ça et on favorise une espèce domestique souvent de variétés d'ailleurs qui ne sont pas euh, au général des coins, mais plutôt des croisements. Euh, donc tout ça, c'est très, euh, très contrôlé par les humains et ça ne favorise pas les insectes pollinisateurs. Donc si vous voulez aider les insectes pollinisateurs, dans leur grande diversité, les 20, près de 20 000 espèces, bien sûr, vous ne les avez pas toutes sur votre territoire, mais il y en a quand même des milliers et des milliers, bah, ce n'est pas vers les ruches qu'il faut s'orienter, c'est à réserver à des, à des projets vraiment à vocation apicole uniquement. Je vais maintenant vous dresser quelques portraits de, de, de pollinisateurs pour vous partager bah, leurs besoins, enfin, pour donner une idée de bah, alors, mais, si les hôtels, ce n'est pas bon pour les, pour les, pour les, les, les insectes pollinisateurs, hein, qu'est-ce qu'on peut faire à la place de quoi ils ont besoin Et pour savoir de quoi ils ont besoin, il bah, faut connaître un petit peu leur vie. Je ne vais pas vous les présenter les 20 000, mais en voilà quelques exemples. Le citron, si vous connaissez, magnifique papillon, euh, dans son cycle de vie, dans les étapes de vie, ce qui est intéressant pour le, cycle, le, le citron, c'est qu'il va passer de l'hiver au stade adulte dans nos haies, et dans des haies bien volumineuses, bien fournies. Pas dans un hôtel insecte. Voilà. Donc, le citron, par exemple, va profiter des plantations que vous faites euh, quand elles sont arrivées un petit peu à maturité, hein, au bout de, de même, un, quelques années, pour passer l'hiver et pour pouvoir ensuite aller euh, finir le, le, le cycle et, et se reproduire et pondre euh, au printemps venu. Donc, il faut des euh, pour aider les papillons au citron. La collette du lierre, c'est en ce moment, profitez-en. Vous allez chercher autour de vous du lierre grimpant, mais euh, Sauvage, euh, pas, pas les variétés horticoles d'ornement à, à plusieurs couleurs sur, sur les feuilles. Et vous regarderez dans les fleurs de lierre, il y a un paquet d'insectes pollinisateurs qui, euh, qui, qui, qui s'activent. C'est la folie en hein, ce moment. Et cherchez une petite abeille euh, comme ça, avec le thorax vraiment très très roux et des bandes jaunes et noires. Et vous trouverez la colette du lierre. La colette du lierre, elle porte bien son nom. Elle ne butine. Alors elle, elle se nourrit de nectar sur plusieurs espèces de, de restos, de fleurs. Par contre, dans les galeries qu'elle creuse dans le sol, avant de pondre des œufs, elle pose du pollen et du nectar, et elle met que du pollen de lierre. Elle butine que du pollen de lierre. Donc s'il n'y a pas de lierre, il n'y a pas de collette du lierre. Donc c'est une relation très étroite, en tout cas indispensable enfin, une plante indispensable pour cette espèce. -là. Et le lierre, c'est super, il en faut partout. Le cireux fantôme. Voilà. Oh là Qu'est-ce que c'est que ça C'est un diptère qui se fait passer pour, pour une guêpe ou une, une abeille pour pas se faire manger. Il, il a un nom cirfe fantôme parce que là, on le voit pas souvent. Et puis euh, on n'est même pas sûr, nous, être humains, on ne sait même pas tout de son cycle de vie. Euh, C'est marquant, je trouve, à quel point on ne sait pas tout, mais euh, ça, ça, invite à, ça, ça éveille la curiosité, ça invite à, à chercher, à découvrir ce qu'on ne sait pas. Son cycle de vie euh, dans son cycle de vie il y a un besoin indispensable de fourmi, de fourmilières en milieu forestier, puisque la larve, le bébé, après sortie de l'œuf, il se fait passer, il arrive à intégrer des fourmilières et va se nourrir dans la fourmilière au détriment de la fourmilière, sans se faire détecter, mode fantôme espion, et, euh, et, et accomplir son cycle à l'intérieur d'une fourmilière. Donc voilà, milieu forestier, besoin de fourmilière pour ce cirque-là. C'est vrai pour d'autres papillons, vous avez peut-être déjà entendu parler de, de l'azuré du cerpolé. Le sphinx de l'épilope, car est une espèce protégée en France, Tiens, il n'y a pas beaucoup d'espèces d'insectes protégés. Ben euh, ici, ce que je voulais mettre en avant, c'est euh, la... pas la chenille malgré la photo, c'est la chrysalide, l'étape d'après, je n'ai pas trop de photos, euh, qui va passer euh, l'hiver dans les litières de feuilles mortes, voilà, au stade de chrysalide. On peut passer l'hiver à toutes sortes de stades. Donc, on a parlé de là tout à l'heure, il faut aussi un, un, un couvert au sol euh, riche, vivant, et par exemple les feuilles mortes, c'est formidable pour aider les insectes pollinisateurs à passer l'hiver. Le conopide à pattes rouges, mais quel drôle de nom pour les, le, cet insecte pollinisateur qui fait partie des diptères. Vous avez vu ce corps être très étroit, allongé, l'abdomen recourbé. Incroyable technique de ponte, il va parasiter en vol des bourdons. Il va s'accrocher sur des bourdons en vol et pondre directement dessus. Les, les Anglais l'appellent l'attrapeur, le, le ceintureur attrapeur de bourdons. C'est sa technique pour les pondre. Donc lui, il a besoin de pondre sur d'autres des, des, insectes pollinisateurs pour son cycle de vie une espèce de trompe bizarre qu'il a, il joue, il joue de la trompette. On continue, alors il me reste quoi Il me reste peut-être 3-4 à vous présenter. Ouais, oh, 6. Panfrédon lugubre, ça c'est pour valoriser la ronce. Alors, les ronces orties c'est des plantes fantastiques, pas meilleures que les autres, mais emblématiques. Une fois qu'on les a acceptées, on est prêt à accepter tout le reste. Le panfrédon qui est tout petit, il va capturer des pucerons, les paralyser et les garnir à l'intérieur de tiges de ronces euh, qui se seront cassées ou qui ont été coupées par nous, êtres humains. Et il fait son nid là-dedans, à l'intérieur. Incroyable. Trop belle. Cryside enflammé, euh, vous avez vu ses couleurs métallisées, toutes flashy. Criside c'est aussi un, un, un donc hyménoptère pour, pour, pour les chrysides, qui pond sur... Euh, à l'intérieur qui va parasiter des nids de Vous vous rappelez les guêpes potières tout à l'heure Alors, voilà une en photo. Si vous ne connaissez pas le surf Batman, le voilà aujourd'hui. Euh, pourquoi Batman Parce que vous voyez sur son thorax, c'est juste à l'arrière des gros yeux de la tête, hein, il y a le logo de Batman. Là. Hop, Batman vient nous aider. Les ristales des fleurs, euh, qui se nourrit dans plein de fleurs, et dont la larve. Vous voyez une photo de la larve, ça ressemble pas, on les appelle des verres que draps. La larve, elle vit dans des, la, des milieux aquatiques et se nourrit de matière organiques. Elle participe à la décomposition des milieux aquatiques, et notamment dans des arbres creux euh, qui ont reçu de l'eau de pluie et de l'accumulation de matières mortes. Voilà. Donc, ça, c'est dans vos haies et dans vos forêts, dans 30, 40, 50 ans. Euh, il faut des vieux arbres. C'est important pour le cycle de vie d'un paquet d'insectes. Très commun, on peut le retrouver dans les parcs et jardins, les ristales des fleurs, la, la mouche Batman. Il ne me reste plus que deux. Et après, on aura terminé pour les portraits. Kélostome des campanules. Toute petite abeille euh, sauvage. Vous avez vu les, le bout de l'abdomen, les poils, les poils tout jaunes de pollen, ça fait partie d'une famille qui récolte le pollen en frottant le, le bas de l'abdomen. Comme son nom l'indique, euh, ne butine du pollen que sur les campanules. Il y avait la collette du lien tout à l'heure, il y a l'ostome des campanules. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des insectes pollinisateurs généralistes et d'autres hyper spécialisés, et c'est vrai pour tous les, les groupes d'insectes pollinisateurs. On termine avec le tecle du boulot qui. Peut pondre sur le boulot, mais qui a plutôt une préférence pour les pruneliers qu'on pourrait retrouver dans vos haies après plantation. Et euh, on le voit rarement, il est plutôt dans la canopée. Donc pour tomber sur l'adulte, euh, c'est coup de chance. Par contre, on peut s'amuser, et c'est bientôt, dès que les feuilles sont tombées sur les haies de pruneliers bien exposées au sud, vous allez chercher à l'aisselle des jeunes rameaux. Vous voyez le, 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 le petit point blanc là, ça ressemble à un squelette d'oursin. C'est la ponte, c'est un œuf de tecle du boulot. Et donc on peut s'amuser en hiver comme ça à chercher euh, des, des œufs de papillons. Et qu'est-ce vous... et... oh, qu que j'entends ah, C'est le tailleur qui passe et qui vient couper toute la haie de prunelier. Ça, ça nous alerte sur euh, la gestion. Attention, de ne pas tout gérer en même temps, de ne pas tout couper en même temps, parce que si vous coupez toute une haie d'un coup partout, et les œufs les les de, de Tecle du boulot qui ont été pondus vont être euh, détruits, disparus. Donc ça, c'est un... très important, la gestion. On pourra... On pourra en reparler aussi. Tecle du boulot, formidable. Allez chercher les, les petits œufs d'ours en blanc hein, en hiver. Voilà un bref aperçu, vraiment, mais c'est microscopique ce que je vous partage. là. Il y a plein de modalités de vie différentes, à différentes stades de vie. Et ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas mettre une seule plante en particulier. Il faut essayer de favoriser le végétal, une grande diversité de végétal, à toutes les hauteurs, à tous les niveaux, que ce soit les herbes, les fleurs, les plantes grimpantes, les arbustes et les arbres. Donc, très important dans vos choix de plantation, arbustes et d'arbres variés. Et puis après, vous allez laisser se développer des herbes et des fleurs et des plantes grimpantes qui vont venir naturellement. Je voudrais juste faire un point, pardon Elodie, sur le temps qui reste, parce que mon minuteur s'est emballé, je l'ai perdu. Donc je ne voudrais, voudrais pas déborder. Écoute, normalement, il te reste 5 minutes, mais on va t'en laisser 10. Je vais, vais viser un 7. Il y a pas, pas mal beaucoup. de questions. Ouais. Merci, je vais essayer de condenser. Polynes action c'est l'outil qu'on qu voulait vous partager aujourd'hui. Euh, c'est un outil qui permet de... L'objectif, c'est d'amener à l'action à revégétaliser un espace pour passer dans des espaces de parc et de jardin, d'un espace sans vie, ou, ou peu végétal. Là, c'est du végétal, mais ce n'est pas du bon végétal. En tout cas, on ne l'a pas géré de manière à favoriser la biodiversité. L'objectif, c'est d'aboutir à euh, vraiment des supports de biodiversité fonctionnels pour les insectes pollinisateurs et le reste de la biodiversité. Polynes Action, c'est une appli web euh, euh, et son site sur lequel vous pouvez vous connecter et faire des diagnostics. On va, on va tester un diagnostic juste ensemble après. Vous retrouverez sur le site de, Pol de Mission pollinisation des versions numériques que vous pouvez imprimer pour faire ce diagnostic dans les, euh, les cours d'école avec des enfants, auprès du grand public ou auprès des professionnels en, en espace vert, de, de professionnels d'espace vert ou du paysagisme. Vous trouverez des petites vidéos euh, avec des acteurs de la série Camelot, Merlin hein, euh, et Perceval, pour parler d'insectes de, de, pollinisateurs. et les faire découvrir, ça peut être un, une bonne entrée. Et tout de suite, c'est parti, on va faire ensemble euh, l'application pollinisation, la version grand public. Alors, il y a tout un tas de questions à répondre. Euh, J'en ai choisi quatre pour euh, vous donner envie d'essayer et vous montrer que c'est accessible. C'est accessible parce qu'il n'y avait pas besoin de savoir reconnaître les plantes, ni les insectes pollinisateurs. Donc, ça, c'est pas mal. Avant de commencer, quand il faut savoir que ça se fait presque en toute saison. L'hiver, c'est moins idéal. Euh, mais sinon, vous pouvez le faire n'importe quand. C'est bien d'avoir, ça peut aider d'avoir une photo aérienne du site euh, pour se représenter l'occupation les, 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 du site par la végétation. Ça peut être bien. Et je vous recommande une application euh, qui permet de reconnaître des végétaux, ce qui est SIC, qui est dérivé de iNaturalist. E il y en a d'autres, hein, PlantNet, Mais euh, l'avantage de SIC, c'est qu'une fois que la plante est reconnue, vous pouvez accéder à une fiche espèce qui vous donne l'indigénat. Si c'est indigène ou introduit, donc plante sauvage locale ou pas. Et c'est important pour notre diagnostic puisque il faut du local, local et sauvage. Première question, on va bientôt lancer un sondage. Vous pourrez répondre à, à la question. Quand on est dans un jardin ou un parc, il y a une des questions de notre diagnostic qui est est-ce que je vois euh, sur site des espaces, des zones de ligneux, arbustes et arbres indigènes hein, du sauvage local, pas de l'introduit horticole, sous forme de haies, forêts, bosquets. Et donc là. On fait le test sur cet espace-là. Euh, tu peux lancer le sondage, s'il te plaît. Elodie, parce que j'ai plus la main. On vous demande d'évaluer de, de, comme ça en oh, quelques secondes. Hein. C'est un, un aperçu. Si, vous, si tout le monde le fait pas, ce n'est pas grave. Est-ce que vous notez la présence d'arbres, d'arbustes indigènes sous forme de haies, bosquets ou forêts Est-ce que vous envoyez sur toute cette photo une grande surface Oui, des petites zones. Vous, non, c'est zéro. Au passage, il y a un groupe qui est en train de faire le... le, le le diagnostic polonisation en version papier. J'avais eu la chance d'animer dans une copropriété. Donc ici, un espace, un espace, un espace vert partagé. Je n'ai pas le droit de voter, moi. On y va Oui, c'est parti. Allez. Alors vous vous auriez dit, alors vous allez voir, il y a une part de subjectivité hein, dans, dans, dans ce diagnostic, vous auriez dit oui sur des petites zones, à majorité. Alors, et moi, qu'est-ce que j'avais choisi J'avais choisi ça, effectivement. Euh, je vous ai entouré en bleu des zones où je me dis de loin, alors, et très difficile sur photo, hein, bien sûr, c'est la limite de, no de notre exercice aujourd'hui, de mémoire, euh, là-bas, dans le fond, il y avait de la, de la plante et, et un peu indigène, sauvage local. Mais euh, j'ai barré, par exemple, le conifère, ce conifère-là. Nous, c'était en région lyonnaise, à part l'if commun. Il n'y a pas de conifères indigènes, donc ça n'en était certainement pas. Un. Et en premier plan, c'était plutôt des, des plantes cultivées, puis peut-être même pas, même pas ligneuses, à les petites zones. C'est bon. Donc cette première question est portée sur une partie, il y a quatre parties dans notre diagnostic, sur l'alimentation. Qu'est-ce qu'il y a comme ressource alimentaire On s'intéresse aux végétales, c'est les sauvages locaux, et euh, est-ce qu'il y a des mares, est-ce qu'il y a des prairies, est-ce qu'il y a des haies Et une deuxième partie qui concerne la, les espaces de nidification, parce qu'on essaie de, de, de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des pollinisateurs. Les zones de nidification, d'abri, d'hivernage et de ponte, et il y a une question qui porte sur le, le sol nu. Et on va pouvoir lancer directement un autre sondage. On cherche à savoir s'il y a du sol nu, apparence, terre, sable, en, en talus, euh, en parois verticale, enfin, ouais, parois verticales, c'est plus du sol, mais en talus, en pente, ou euh, à plat directement. Donc là, est-ce que vous voyez euh, des zones de sol nu sur cette image-là Oui, en plusieurs endroits, à peine, rien du tout, euh, c'est trop dense partout. On peut clôturer là. Le sondage est hyper rapide. Désolé, j'accélère je, je, un peu la partie réponse. Euh, et désolé pour la frustration si ça ne vous a pas laissé le temps de répondre. C'est vraiment pour vous donner un aperçu des questions. Et vous pourrez le refaire euh, chez vous avec toutes les questions. Comme ça, vous aurez tout le temps que vous voulez. Eh bah oui, oh là là. En plusieurs endroits, on pourrait même dire que sur cette photo-là en particulier, c'est très dense en espace. De sol nu, et euh, probablement que si on allait voir plus près au printemps ou en été, on verrait des petits trous des petits monticules, une activité une euh, de nidification d'immunoptères, abeilles ou guêpes. Oui, en plusieurs endroits, vous voyez 10 points, je ne l'ai pas mentionné, euh, mais il y a une hiérarchie dans les réponses, et euh, plus c'est favorable aux insectes pollinisateurs, plus on marque de points. Et à la fin, il y a le, le score total. La troisième partie concerne les menaces. C'est super d'avoir du bon végétal et des espaces d'hivernage et de nidification, mais en fonction de comment on gère et on entretient, eh ben, ça peut être néfaste à tout ce qu'on a mis en place. La question concerne la technique d'entretien. Merci pour le sondage. Des espaces d'herbes et de fleurs, de prairies ou de pelouses. Est-ce que c'est par fauche ou pâturage, donc un seul point de coupe, ou est-ce que c'est par tonte ou broyage, c'est le mixeur géant qui détruit tout Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas grand monde qui en réchappe. Euh, quelques criquets qui sautent, un papillon qui s'envole. Il n'y aurait pas un indice, quelque part, réuni hein quand même, dans la photo C'était très difficile de vous faire vivre cette question. Donc, bien sûr, c'est évident. Euh, si, si vous regardez, il y, y a une seule personne qui nous attire l'attention sur, sur cette question et euh, qui nous donne la réponse, c'est... Il fallait deviner que c'était une tondeuse, on aurait pu se dire Ah, oh, c'est une faucheuse, euh, une moto faucheuse. Ouais, pourquoi pas Et ici, ce qu'il fallait euh, trouver, c'est que c'est fait par une tondeuse, donc une personne qui entretient l'espace en tondant. Et donc, c'est le mixeur euh, qui détruit tout. Euh, ça, bien sûr, soit c'est un, un, un espace vert sur lequel c'est vous qui entretenez, vous savez comment c'est fait. Soit il faut interroger les personnes qui, qui sont concernées par l'entretien. Dernière partie et dernière question. C'est euh, la communication, la, la sensibilisation, puisque les, les, les insectes pollinisateurs, il faut les, les valoriser, il faut diffuser euh, toutes ces bonnes pratiques. Et il y a une des questions qui porte sur les, les, euh, la contribution au programme de sciences participatives. Est-ce que vous, et là je vous demande à vous directement aujourd'hui, est-ce que vous, vous avez déjà participé à un des programmes de sciences participatives qui est présenté ici, le SPIPOL, suivi photographique des insectes pollinisateurs, Opération Papillon, Insectes et Ciels étoilés, Sauvage de Maru, Streets pour les, euh, les pieds d'arbres de ma rue, l'observatoire de biodiversité en forêt ou un autre qui concerne les plantes sauvages ou les pollinisateurs. Excuse-moi, Rémi, c'est là oui. qu'on a le petit incident technique qu'on a toujours sur, euh, sur nos outils. Très bien. <laughs> tu veux dire qu'il n'y a Donc pas de... Le... J'essaie, mais en fait, il ne veut pas le lancer. Euh... Levez la, levez oui, la main le... chez vous. Levez si la, vous la main. Oui. Fait. Faites-nous un petit signe. Levez la petite main là-bas, en bas, sur votre écran. <laughs> En fait, que même si vous ne répondez pas à la question, euh, c'est pour vous donner à penser qu'indirectement, on peut aussi aider les insectes pollinisateurs en, en améliorant la connaissance et, euh, et en participant à des, à des programmes de sciences participatives. Et bien sûr, vous avez répondu à 100% oui. Euh, vous marquez 8 points pour cette question-là. Bravo à vous. Le diagnostic est fini. Il était express aujourd'hui. En vrai, ça prend 20, 30 et 40 minutes. Plus on connaît le site et, les, et, et sa composition et sa gestion, plus c'est rapide. Donc c'est assez facile à, et rapide à faire. Oh, oh, incroyable, aujourd'hui 233 points sur 250, oh, il, il est très bien notre site, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, si vous obteniez une note inférieure, et c'est souvent le cas, parce que dans l'aménagement de nos espaces verts, les besoins des insectes pollinisateurs sont rarement pris en compte, anticipés, et donc ça répond rarement aux besoins des insectes pollinisateurs. Donc il ne faut pas s'alarmer, mais ça nous invite plutôt à l'action dans les préconisations vous allez avoir après derrière des actions qui vous sont suggérées en fonction de vos réponses sur quels levier activer en priorité pour aider les insectes pollinisateurs, conserver le bois mort, créer des buttes pour, pour mettre le sol en nu. comment se fournir en plantes sauvages et locales. Et bien sûr, il y a une fiche qui concerne, en plus de laisser pousser les, les, les prairies, Laisser se développer ou planter des haies, des forêts, des bosquets. Et c'est comme ça que ça peut être un levier intéressant pour le, le programme J'agis, je plante. Ça peut être un levier pour vous à activer, euh, soit dans votre entourage, dans vos structures ou auprès des collectivités, des élus, des entreprises, de les amener sur le terrain des pollinisateurs. Les pollinisateurs, c'est aguichant, les... c'est plutôt en vogue. Venez, on fait un, une évaluation pour les pollinisateurs et oh ah Ah, il faut qu'on plante. Et là, vous, vous repartez sur le programme J'agis, je plante et vous allez chercher tous les bons conseils pour, pour bien faire. Et puisqu'on peut effectivement, pour conclure, euh, animer avec l'outil pollinisation, c'est un outil que vous pouvez faire vous-même, c'est déjà super intéressant, mais vous pouvez vous en servir comme support pour aller avec du public, euh, que ce soit des, du, du public euh, grand public, famille, enfants, ou des pros, espaces verts, paysagisme, des élus, et même en entreprise, aller euh, amener à faire bouger les choses pour favoriser les, les insectes pollinisateurs, parce qu'il y a beaucoup à faire sur les espaces verts, les espaces privés, et si tout le monde faisait juste un quart de son jardin ou de son espace vert favorable à la biodiversité là on utilise l'angle des pollinisateurs, mais c'est bien sûr largement favorable à la biodiversité, eh bien, on aurait augmenté euh, d'une manière vraiment phénoménale les surfaces de, 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 qui sont consacrées à la biodiversité. Et on pourrait euh, réussir à enrayer le déclin de la biodiversité qu'on subit actuellement. Donc euh, voilà un outil qu'on vous partage. J'espère que vous allez pouvoir vous l'approprier, que ça vous a donné envie. J'ai terminé pour ma présentation express, et pardon d'avoir fait trop vite. À la fin pour, pour, pour coller autant à partie. Il nous reste un petit temps pour répondre à vos questions, si vous voulez, sur l'outil ou sur les actions favorables aux pollinisateurs, et en particulier sur les, les, les arbustes et les arbres qu'on peut choisir pour aider les pollinisateurs. Merci beaucoup, Rémi. Merci à tous d'avoir participé. Vous avez été super interactif avec nous, c'est chouette. J'espère que cette présentation vous aura plu. Il semblerait que oui, Rémi. C'était euh, assez passionnant, euh, tous ces insectes. Euh, du coup, on va prendre un petit peu de temps. On a une dizaine de minutes là pour, euh, pour répondre à vos questions et ensuite pouvoir aller déjeuner. Euh, donc, je ne sais pas si on va pouvoir répondre à tout le monde. Ce à quoi je m'engage, c'est les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre là, pouvoir vous répondre par email, puisque vous vous êtes inscrit, nous vous avons vos emails. Donc, euh, pour pouvoir revenir vers vous. Le cas échéant, si on n'a pas réussi à répondre à tout. Donc, euh, je prends pas forcément dans l'ordre, euh, voilà, ce, ce qui me vient, mais j'ai une question là pour toi, Rémi. Pourquoi les plantes qui ne sont pas locales et sauvages sont à proscrire Je trouve que c'est une question importante. Je rajoute le commentaire de Thomas qui nous disait dans les jardins, on trouve de nombreuses espèces, les ressources, pollen, partie aérienne, voilà, qu'elles fournissent sont mobilisées par de nombreux insectes sauvages. C'est effectivement important de revenir là-dessus. Euh, mmh. Proscrire, le, le mot est à nuancer, ça dépend de vos objectifs. Si vraiment euh, on a le droit de se faire plaisir, nous, être humains, et euh, d'avoir des, des plantes qu'on veut, qu veut manger, donc là on va s'orienter sur des plantes cultivées, euh, qui ne sont pas, ouais, pas toujours, même rarement, euh, sauvages et locales au départ, euh, des plantes ornementales ou exotiques, horticoles, donc euh, ornementales ou exotiques, pour faire joli, on a le droit. Par contre, si on a un objectif biodiversité, eh bien, il faut que ces plantes-là, elles puissent... Servir de support de biodiversité, et donc nourrir, abriter, euh, nourrir à différents stades de vie, être un support de ponte éventuellement. Et euh, pour ça, il n'y a pas mieux que les plantes sauvages et locales, puisque c'est le résultat d'une coévolution. C'est un processus qui s'est mis en place pendant des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'années. Et quand nous, êtres humains, on introduit une plante comme ça d'un coup, eh il n'y a pas grand monde qui la connaît, il n'y a pas grand monde qui va s'en nourrir. Et, euh, ou alors, si elle fournit de la nourriture, ce n'est euh, pas toujours adapté. Euh, pour les, les, les besoins alimentaires nutritifs. Hein. Il y a parfois des défauts en acides aminés, par exemple, qui font que les abeilles vont collecter du, du pollen, les larves vont se nourrir du pollen, mais elles ne vont pas réussir à grandir et, euh, et devenir adultes parce que ce n'était pas un pollen adapté. Ça, ça existe avec des plantes des plantes, euh, des plantes euh, modifiées. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut les bannir complètement. Euh, nous, notre message, euh, c'est que y a, le curseur il est rarement poussé côté biodiversité et poussé côté plantes sauvages et locales dans les plantations, dans les, dans, les, dans les espaces verts actuellement. Il y a, il y a un manque cruel, terrible de, de plantes sauvages et locales. Donc notre, notre message, c'est de pousser, d'essayer de pousser au maximum ce curseur de biodiversité. Et si vous voulez vous mettre au milieu et faire moitié-moitié, parce que ça vous fait plaisir, c'est déjà bien. Rappelez-vous tout à l'heure, euh, je mentionnais un quart hein, déjà, si on faisait un quart des, des jardins. Donc si sur toute votre haie, vous mettez... Ce serait dommage. Allez, une haie à fond, les espèces sauvages locales. Mais sur tout votre jardin, vous mettez mettez un quart de plantes sauvages et locales, c'est déjà, déjà très bien. Et en premier pas, c'est formidable. Après, si vous avez jusqu'à la moitié, jusqu'à 75%, excellent. Et alors, dans les plantes, euh, le budléia, par exemple, je, je, je voulais illustrer des exemples avec des, des cas concrets. On dit l'arbre à papillon, budléia, un paquet d'insectes qui se nourrit dessus, c'est vrai. Et parfois en très grand nombre, c'est vrai. Il euh, y a peu très très peu euh, d'insectes qui peuvent s'en nourrir au stade larvaire et de papillons qui peuvent pondre dessus. Donc les chenilles, pour se développer, elles ont besoin de nourriture. Les beaux papillons qu'on va se nourrir sur les arbres à papillons, eh bien, ils ont besoin d'autres plantes, supports euh, qui sont essentielles, importantes, au stade, euh, stade chenille. L'ortie, plante sauvage locale, il y a plus de 30 espèces de papillons qui peuvent pondre sur l'ortie, dont certains qui ne pondent que sur l'ortie. Et, euh, et puis attention aussi à la, aux impressions qu'on peut avoir sur des plantes euh, introduites, donc qui ne sont pas sauvages locales, qui fleurissent, sur lesquelles on voit un grand nombre d'insectes. On peut se dire oh, y a, le resto, il est rempli, génial. Bon, déjà, on ne connaît pas la qualité du pollen, et ça, il y, y, y a peu d'informations. Et ensuite, il y a combien d'espèces différentes en termes de diversité C'est un resto possible, mais qui probablement supporte euh, de, de peu d'espèces. C'est difficile de généraliser bien sûr, il y a sûrement des plantes introduites euh, ornementales cultivées qui sont des bons supports pour insectes pollinisateurs, mais dans l'eau, il y en a probablement très peu. Alors que les plantes sauvages et locales c'est sûr qu'elle fonctionne, parce que c'est une modalité qui existe d'interaction entre ces, nos insectes pollinisateurs et nos plantes sauvages et locales. Ça a toujours existé, donc c'est que ça fonctionne. Donc C'est pour ça qu'il faut les, les, les privilégier au maximum. Et pour conclure sur ce sujet, sauf si vous avez des, des besoins de précision après, il y a même des plantes qui sont carrément, euh, ça c'est des extrêmes, hein, mais qui sont mortelles, dangereuses. Euh, par exemple, euh, l'onagre rose, enfin, pour le dire différemment, nos insectes pollinisateurs, des fois, ils vont se nourrir, ils vont tester des restaurants euh, exotiques. Qui ne connaissent pas, et ils se retrouvent le, coincés dedans, la trompe de papillon qui se retrouve coincée dans, dans la fleur, parce que les morceaux de la fleur font que la trompe ne peut pas ressortir. Et c'est comme ça qu'il y a des, des moroses sphinx, et les, les, les petits colibris euh, de chez nous, qui vont mourir la trompe accrochée dans des zones agro roses qui sont dans les jardins, parce que morphologiquement, ce n'est pas adapté. C'était adapté pour rentrer la, la grande paille dedans, mais pour ressortir. Non. Alors, ça, bien sûr, c'est quelques plantes, c'est les cas extrêmes. Et dans, 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 dans le, le, le panel des, euh, des enjeux autour des plantes euh, introduites, euh, horticoles ou exotiques, il eh ben, y en a carrément qui sont, euh, qui sont très néfastes pour nos insectes pollinisateurs. Et au mieux, elles nourrissent un peu. Et le plus souvent, c'est neutre, voire euh, des, des faux restaurants pour elles. J'espère que ça vous a un peu plus éclairé sur le, 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 les enjeux et le message autour des, des plantes sauvages et locales. Parfait. Du coup, Rémi, j'embraye je, 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 sur une question qui est assez... Euh... Euh, assez connexe qui est en gros euh, pour planter, est-ce qu'on peut bouturer des arbustes sauvages Tu as déjà donné la réponse euh, sur cette question euh, des arbustes sauvages. Bien sûr, il y a du bouturage possible. Juste vous dire que justement, dans J'agis, je plante sans doute l'année prochaine et peut-être même un petit peu avant, euh, on abordera cette nouvelle question pour vous accompagner aussi sur ce, sur ce champ-là. Euh, donc voilà, c'est ça. C'était pour répondre à Estelle. Il y a aussi eu beaucoup de questions sur où se fournir en plants, en graines, etc. Donc en dehors des plants sauvages, je vous ai mis une adresse, mais il y a quand même ce label végétal local. Euh, qui vous garantit euh, d'avoir euh, une, voilà, une bonne qualité de plan et il y a un annuaire, donc ça permet d'avoir quelques pistes. Euh, Rémi, tu veux rajouter quelque chose Oui, je voulais rebondir sur le sur « le, où se fournir en plantes sauvages euh, mm -hmm. et locales. C'est crucial, c'est essentiel et euh, l'offre euh, répond actuellement pas à la demande. En jardinerie, compliqué ou impossible, et puis il faut éviter les, les, les pièges de, 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 de commerciaux, de. de on nous propose des plantes mellifères ou des plantes prétendument adaptées pour, pour les insectes pollinisateurs, alors que, alors que des fois, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise foi ou il, il, il peut y avoir des bonnes pratiques. Mais il faut aussi connaître, en fait, c'est ça que je voulais dire. En jardinerie, il euh, faut être averti pour pouvoir euh, démêler le, le, le bon du mauvais végétal. Donc pas évident. Euh, végétal local, formidable marque portée par l'Office français de la biodiversité, euh, qui euh, s'adresse plutôt à des professionnels, euh, actuels. en tout cas en, nous, en région auvergne rhône alpes euh, difficile voire impossible en tant que particulier de commander quelques plants à, à, à une pépinière qui fait du végétal local. Euh, prélever en nature, formidable idée. Aller prélever des jeunes plants. Euh, et puis d'ailleurs, c'est le moment bientôt hein. à la Sainte Catherine, tout prend racine. Donc euh, pour tenter des petites plantations, euh, vous pouvez même essayer cette année. Euh, et sinon, euh, euh, préparer mieux euh, avec Jajis de planter et, et le faire l'an prochain. Aller prélever donc, en lisière de forêt, en lisière de haies, en demandant l'autorisation euh, si ce n'est pas chez vous. Les jeunes sujets qui, qui ont repoussé là. Il peut bien sûr y avoir des espèces invasives qui repoussent très facilement, mais. Euh, vous ferez le test avec SIC euh, de les détecter, des graines, des boutures, et puis vous pouvez aussi euh, essayer de laisser pousser, laisser pousser un, un espace euh, dans un petit coin pour faire un bosquet ou une haie. Il y a une banque de graines déjà présente dans le sol, sauf si c'est un, un sol rapporté ré récemment, et vous allez voir apparaître des ronces, puis après les pruneliers, les frênes, enfin, en tout cas certaines régions, des plantes pionnières, avant d'avoir ensuite d'autres plantes euh, plus qui, qui vont s'installer euh, par la suite après les plantes pionnières. Alors, d'autres questions. Alors, il nous reste peu de temps. Juste sur la, la question, il y a eu des questions sur euh, ce qu'on vient de montrer. Juste que vous rassurez, il y aura un replay sur la question de j'agis je plante. Est-ce qu'on peut utiliser les tutos en dehors d'une de, de, d'un visionnage entre particuliers, etc. Bien sûr, c'est un outil qu'on vous propose d'essayer euh, largement. Euh, voilà, faites-en profiter tout le monde. Plus on sera nombreux à planter, je le rappelle, et plus on aura d'impact. Donc, euh, n'hésitez pas à vous en emparer. Euh, Rémi, je, je, je vraiment n'aura pas le temps de répondre à toutes vos questions. Euh, donc on va essayer d'y répondre en dehors avec Rémi une par une. Euh, mais est-il opportun, j'ai une question de Bertil, est-il opportun de conserver une partie de jardin sans tonde du tout Merci pour la pour cette euh, transition parce que excellent. Euh, c'est plus qu'opportun, c'est même euh, essentiel euh, de laisser des zones refuge pour l'hiver on peut retenir le chiffre de 30% de zones refuge euh, pour que des cycles s'accompagnent, euh, se fassent de, de, dans ces espaces-là. Les oeufs, les, les nymphes ou chrysalides pour les papillons, euh, les adultes qui peuvent passer l'hiver dans, dans, dans des friches herbacées euh, ou éventuellement des ronciers. Donc oui, tout ce que vous pouvez conserver euh, qui va passer l'hiver ou dans la manière d'entretenir, et vous le verrez avec la mission pollinisation, il ne faut pas tout faire d'un coup et partout, sinon on détruit des cycles forcément. Donc il faut euh, séquencer, pas tout faire en même temps et laisser des zones de refuge à chaque fois qu'on entretient 30%. Y compris pour des haies, euh, pour la suite. D'ailleurs, euh, ne pas tailler les arbres, c'est le mieux. Ils n'ont pas besoin, naturellement, sauf contraintes techniques et sécurité, éventuellement. Mais voilà. euh, une petite question euh, très précise sur les insectes que butinent les guêpes du sol, Rémi. Euh, sur les, les, les plantes que butinent les guêpes du sol, c'est ouais, ça. -ce qu qu -ce euh, voilà une question de Christelle. Ah, ça m'échappe, mais on, on il on, y en a, on ne sait même pas encore. Il euh, y a une telle diversité d'insectes. Donc si la question derrière, c'est qu'est-ce que je dois... Semer pour les aider, il ne faut pas se poser la question, il faut laisser pousser naturellement ce qu la, la, la banque de graines dans le sol. Euh, et après, des exemples, euh, que butinent les. les je, ça m'échappe. Bon. Plein de on ne fait pas tout comme ça, mais on va peut-être essayer d'y répondre aussi par mail. Euh, juste, euh, on revient sur les prélèvements, juste un petit point. Est-ce qu'il n'y a pas des, interdi des interdictions de prélèvement sur certaines essences comme bruyère, myrtille Nous demande Céline. Euh. Il faut se renseigner localement. Voilà. Et sur, ben, si c'est chez vous, la question ne se pose pas, euh, sauf esp espèces protégées. Hein, c'est en forêt, le... donc j'imagine c'est plutôt en domaine. Et euh, sais, en, en domaine privé, public ou en forêt privée, vous demandez l'autorisation aux propriétaires et euh, juste faire attention aux espèces protégées. Il faut se renseigner auprès, de, auprès des propriétaires ou, de, ou des associations locales de, de botanique. Céline qui nous demande est-ce que je peux replanter à l'endroit où les arbres ont été coupés au pied afin de reconstituer ma haie. Euh, Céline, je ne sais pas si Rémi es en capacité de répondre, mais sur la question des haies, on a un webinaire très prochainement euh, avec l'association Les Planteurs Volontaires qui sont euh, spécialistes de ce type de plantation et qui pourront répondre à toutes, à toutes ces questions-là. On va vous mettre les, les liens de, dans, le, dans le chat si vous voulez euh, voilà, vous inscrire pour suivre ces prochains webinaires. Mais si tu as un début de réponse, Rémi. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Euh, seule limite que, que j'envisage, c'est si vraiment c'était des, des gros arbres avec un, une souche qui reste, un système racinaire important, c'est compliqué de creuser euh, pour des trous de plantation. Euh, pourquoi pas Et forsythia, euh, jaune, pétant, très beau, euh, qui fleurit sans, sans, sans les feuilles au départ. Euh, très mauvais restaurant pour les pollinisateurs. Hein. C'est pour se faire plaisir ici, le forsythia dans une liste. Mais voilà une très bonne liste. Hein. glantier aubépine, saule-marceau, genêt, noisetier, euh, sauvage local, probablement en fonction de la région. Puis, oh, allez, un petit forsythia pour se faire plaisir. Allez, allez c'est bon. Euh, question de Karine, comment connaître son sol Ça Karine, je vous renvoie tout de suite vers la formation. Il y a un tuto là-dessus à regarder qui vous dit, euh, voilà, faire le test de boudin et tout ça. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Euh, dans la formation jadigjeplante.org, euh, voilà il y a beaucoup de vos questions où, où les réponses sont vraiment dans les tutos ou dans nos kits. n'hésitez pas à y faire un tour ou à y refaire un petit tour euh, en fonction de vos projets. Il y a vraiment beaucoup d'infos. Euh, du coup, on arrive un peu à la fin du temps. Euh, on a même dépassé un petit peu. Merci d'être encore aussi nombreux à être présents. Euh, Lena, qui est dans le chat, va vous mettre les liens euh, de connexion pour les prochains webinaires. Euh, voilà, le prochain il est jeudi prochain sur les bosquets comestibles. Le suivant sera sur les mini forêts. Celui d'après sur les haies justement. Et on finira par les murs végétaux le 9. Donc c'est tous les jeudis à l'heure du déjeuner. Euh, je serais ravie de vous y retrouver et on aura euh, voilà un autre expert à la place de Rémi, mais euh, tout aussi sympathique et dynamique. Je vous l'assure. Voilà, je vais vous remercier vraiment chaleureusement euh, voilà, de votre présence, de votre interactivité, de toutes ces questions. On essaie de vous répondre avec Rémi, euh, voilà, par, euh, par écrit, si on n'a pas réussi à le faire là, à l'oral. Rémi, si tu as envie de dire un petit mot, direction arthropologie, vous, faites votre petit test avec pollinisation, ensuite on va planter. Et voilà, et surtout, vous nous racontez vos histoires de plantation pendant tout l'hiver, s'il vous plaît. Merci Elodie, merci Léna euh, pour, pour le webinaire d'aujourd'hui. puis euh, Je vous souhaite des bons projets de plantation, euh, que ce soit pour les pollinisateurs ou pas. Il faut planter. Allez-y. Merci à tous. À bientôt.